Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve dans ma chambre, sur mon lit, chose que je n'ai jamais fait. Comme vous le savez, je suis pas super fan des face caméra. Je trouve ça un peu, enfin j'aime bien les faire, mais je trouve ça un peu barbant de monter les vidéos, tout ça, de trouver un endroit pour les faire, machin, donc je me suis dit, on va faire au plus simple. Il est 23h15, j'ai pas envie de trouver un autre endroit pour faire une vidéo, et comme je vous ai lancé quelques petits sujets de vidéos où vous devez me poser des questions, genre FAQ, genre machin, me suis dit, bah voilà, je vais la faire là dans ma chambre, comme ça je pourrais monter directement la vidéo après. On va se mettre tranquille, on va se mettre bien en mode détente. En plus ça risque d'être long, donc voilà, c'est parti. Alors du coup, j'ai lancé la FAQ donc sur Instagram et sur YouTube. Donc voilà, je vais mélanger un peu les deux réseaux. Je pense que la plupart du temps maintenant, quand je vais lancer des sujets de vidéos comme ça, ce sera plutôt sur Instagram. Donc voilà, si tu veux aller me suivre sur Instagram, c'est dans la barre d'infos. Du coup, première question, pourquoi cette absence de YouTube? Bon, comme vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc si tu veux vraiment savoir, je t'invite à aller la voir parce que je vais pas tout réexpliquer. Mais en gros, j'étais en formation, je me suis séparée de mon copain que j'avais depuis 7 ans, donc que vous avez déjà vu en vidéo. Du coup, bah voilà, forcément, j'ai pas eu le temps, j'ai mis les cheveux un peu de côté, donc voilà, c'est pour ça. Quel est ton projet pro toujours en lien avec les chevaux? Alors, donc, oui, la petite peluche. Comme vous le savez, bah, j'ai été en formation, donc une formation dans le cheval, un BPREH. Et bah, dans cette formation, on doit construire un projet pro. Donc moi, j'avais construit mon projet pro sur l'attelage, en passant le meneur accompagnateur de tourisme équestre. Bon, finalement, c'est quelque chose qui se fera pas. Du coup, mon projet pro, là, il va pas forcément être en lien avec les chevaux, même si je veux, en fait, je peux construire... une écurie, un truc comme ça, mais pour l'instant j'ai pas envie de me lancer dans une aventure comme ça. Du coup là j'ai pas vraiment de projet, en fait j'ai juste le projet de bosser, de me faire de l'argent, c'est tout. Mais voilà, niveau projet pro pour l'instant c'est pas du tout dans le cheval, c'est voilà, je verrai bien comment ça évolue, où je m'installerai plus tard, on verra bien, mais pour l'instant juste aller bosser peu importe où, mais voilà, c'est tout. Quel âge avait Jaco? Jaco, il avait 21 ans. Il me semble que c'est ça, 21 ans. Angélique, si je me trompe, tu me le redis, mais je pense que non. C'est 21 ans. Veux-tu avoir des enfants plus tard? Oui. Oui, c'est pas pour tout de suite, mais oui, j'aimerais bien avoir des enfants, donc voilà. J'ai que 22 ans, donc c'est pas encore prévu. Tu comptes racheter un cheval? Si oui, une jument. J'ai pas là pour projet d'acheter un autre cheval, parce que là mes trois chevaux ils me conviennent très bien. Et même je pense que le jour où Kouroun ou un autre décédera, j'ai pas prévu pour l'instant de racheter de cheval. On verra bien en fait comment se goupille ma vie. Pour l'instant je suis un peu entre deux, enfin... Je viens de finir une formation, je cherche du boulot, donc normalement j'ai trouvé. Mais voilà, pour l'instant c'est pas prévu de racheter un cheval. J'ai déjà acheté Oasis en décembre, moi ça fait un an déjà. Mais quand même, je vais pas racheter un cheval tous les ans, c'est pas possible. Même si évidemment, si je pouvais je le ferais, mais non. Quel est ton plus grand regret et ton plus grand bonheur? Donc je sais pas si c'est par rapport aux chevaux concrètement, parce que je vous ai demandé de me poser des questions, mais... pas forcément en lien avec les chevaux, en fait, peu importe. Quel est ton plus grand regret, ton plus grand bonheur? C'est une vague question, je sais pas. Plus grand bonheur, je pense que c'est d'avoir mes chevaux à côté de chez moi et de m'en occuper de A à Z, en fait, par moi-même. Je suis aussi très contente d'avoir fait ma formation cette année. Et niveau regret, je sais pas. J'ai pas forcément de regret dans ma vie. Peut-être j'aurais dû profiter de ma mère... Enfin, profiter dans le sens où être plus souvent avec elle, faire plus de choses avec elle avant qu'elle parte, en fait, tout simplement. Peut-être, ouais, c'est peut-être ça mon plus grand regret, de pas lui avoir dit assez je t'aime, ne pas avoir montré plus d'affection que ça, même si on était assez proches, voilà. Ouais, c'est ça mon plus grand regret. Donc si vous avez des parents, même si vous tapent sur les nerfs, même s'ils vous énervent,
Voilà, vous vous dites que le jour où ils seront plus là, vous allez regretter, et moi c'est relativement le cas. Donc voilà, faut vraiment leur montrer tout l'amour qu'on peut, même si ils nous emmerdent, ça faut le dire. Voilà, faut pas regretter après, une fois qu'ils seront plus là, ce sera trop tard. As-tu d'autres animaux? Alors oui, j'ai un chien, donc Gwen, que vous avez peut-être déjà vu dans des vidéos. Je sais pas s'il y a encore des vidéos de lui sur la chaîne, parce que j'avais fait un gros tri de vidéos. J'ai aussi un chat actuellement, j'avais d'autres chats mais voilà ils sont décédés. Groovy, donc je pense pas que vous l'ayez vu elle en vidéo, je suis pas sûre. Donc voilà, je pense, si j'y pense j'insère des photos sur l'écran. Mais comme je vous dis, j'aime pas trop monter les face caméra, donc on verra. Voilà, et ouais c'est tout, j'avais d'autres animaux avant mais voilà depuis ma séparation je les ai plus. Donc un chien, un chat et trois loulous. Comptes-tu sortir en endurance avec Angel? On aimerait bien, ouais, éventuellement sortir en endurance. Après, moi, vous savez, j'en ai fait une avec Kouroun, mais c'était vraiment pour pas mourir bête, entre guillemets. Enfin, c'était vraiment pour découvrir le milieu. Et Kouroun, voilà, c'était le poney parfait pour le faire. Je l'ai fait avec une amie en plus. Donc, éventuellement, si on s'entraîne bien, si... en fait, si on a l'envie, et si on peut le faire, ouais. Mais c'est vraiment pas dans mes priorités de sortir en endurance, que ce soit avec Angélique ou avec quelqu'un d'autre, mais ouais, c'est pas dans mes priorités, mais bon, éventuellement. Quels sont tes projets pro perso? Ben, ça je l'ai un peu dit. Pour l'instant, je voudrais juste que ça se passe bien, enfin ça se passe très bien avec mon homme, mais voilà, que ça continue à se passer bien, qu'on voit pour s'installer ensemble. Voilà, et trouver un boulot qui me plaît. Sinon, en pro, bah, comme je l'ai dit, pour l'instant, voilà, j'ai pas forcément de projet pro par rapport aux chevaux pour l'instant. Mais voilà. Et les résolutions ou des souhaits à réaliser pour 2019. Le premier, ce serait arrêter de fumer, ça serait cool. Bon, c'est pas forcément facile, mais ouais, arrêter de fumer, ça serait bien, rien que niveau santé, niveau argent. Bon, là je fume quand même beaucoup moins depuis que j'ai acheté ce petit truc là, en cigarette électronique, c'est pas mal, je fume beaucoup moins. Mais ouais, arrêter de fumer ça serait cool. Souhaits à réaliser, je sais pas, non les souhaits, non, c'est juste que tout aille bien, que voilà, éventuellement trouver du boulot dans le cheval, éventuellement avoir un projet d'autres formations dans le cheval ou autre. Mais ouais, j'ai pas... Le plus gros point, ça va être ouais, d'arrêter de fumer et de reprendre la muscu aussi, parce que j'ai arrêté pendant ma formation, faute de temps. Donc ouais, reprendre, pas la muscu forcément, mais voilà, reprendre une bonne activité physique. C'est vrai que je cours un peu, je fais un peu de trucs à la maison, mais voilà, vraiment un peu plus intensément. Et d'arrêter de fumer. Est-ce que si tu rachètes un cheval... Ah oui, j'ai pas répondu tout à l'heure. Si tu rachètes un cheval, ça serait un poulain ou pas? Et on m'a demandé tout à l'heure si c'était si je prendrais une jument. En fait, je sais pas. Peut-être, ouais, comme j'ai eu que des ongles, peut-être une jument, mais je sais pas. En fait, ça dépendra du coup de cœur et ce que je recherche sur le moment, parce que je vais pas acheter un cheval pour acheter un cheval. Généralement, c'est pour un projet ou pour une activité définie. Donc, je sais pas. Et ce sera poulain ou pas. Je pense que si j'achète un cheval, ce serait un jeune, quoi. Comme Oasis, que j'ai acheté à ses fins de 4 ans. Et pour le coup, ouais, j'aime bien parce que le cheval, il a pas de problème, enfin, il a pas eu de traumatisme du passé, il est franchement cool dans sa tête. Après, c'est un Irish et je l'ai pris dans un bon élevage, donc forcément, voilà, ça a des avantages, ça a un coût, mais ça a des avantages aussi. Donc oui, si j'achète un cheval, je sais pas quel sexe il sera, mais je pense que ce sera un jeune vers 2, 3, 4 ans, 5 ans max, que je puisse débourrer et former moi-même. Est-ce que avoir plusieurs chevaux coûte très cher? Alors très cher, je sais pas, moi c'est vrai que j'ai la chance, j'ai des terrains que je loue une certaine somme par mois, c'est pas la même somme dans toutes les régions, c'est vrai que moi je paye assez cher, mais en soi, comme ça j'ai la chance d'avoir mes chevaux à côté de chez moi. Coûte très cher, en fait c'est très variable, je pourrais pas te dire, c'est un budget, c'est sûr que si j'avais pas de chevaux,
je serais quasiment riche. Je serais beaucoup plus riche que maintenant, mais du coup j'achèterais des chevaux, donc c'est un cercle vicieux en fait. En fait, faut avoir vraiment le budget, faut savoir gérer son truc, et puis faut bosser pour vouloir ce qu'on a. C'est sûr que si tu restes à rien faire, tu peux pas avoir de chevaux, hein. L'argent, y en a besoin, faut pas se le cacher. Et souvent, voilà, faut pas compter ce que tu dépenses pour tes chevaux, sinon tu fais une crise cardiaque, concrètement. Mais voilà, faut se définir un budget et voir si, faut savoir combien ça te coûte par mois, par an, mais ouais, ça coûte, c'est peut-être, en fait, ça coûte cher, oui. Ça coûte assez d'argent. Il y en a qui diront que c'est de l'argent foutu en l'air pour des chevaux qui sortent même pas en compétition en fait et qui font rien, entre guillemets rien. Mais voilà, faut avoir l'envie et la passion, tout simplement. Comment va le débrouage d'Oasis? Bah, le débrouage d'Oasis, il est complet. Il est complet en monte et en attelage et à pied. Donc voilà, très bien. Nickel, ça s'est passé comme une lettre à la poste. On peut dire qu'au bout d'un an, il est totalement débourré. À pied, à cheval et en attelage. Combien doivent tes chevaux? Alors en fait je sais jamais, enfin je sais pas vraiment, je les ai pas vraiment toisés. Je sais que Nono doit faire 1m65. Paddy il fait, enfin c'est pas Paddy, Paddy n'est pas le mien, mais voilà je peux le dire aussi, je pense qu'il fait un petit 1m60. Kouroun il doit faire 1m40-45. Non, il doit faire 1m45 facile. Et Oasis, je sais pas, 1m40. Ouais. Il est pas très grand. Mais il est assez. Ouais, il est assez trapu, mais faudrait que je le toise un jour, comme ça sera plus facile que je m'y mette. En plus j'ai le ruban, donc ça je pourrais le faire. Mais je sais pas vraiment. Est-ce que tu comptes faire d'autres disciplines que de l'attelage avec Oasis, comme du CSO, du dressage, etc. Oui, là c'est vrai que cette année, du coup, je me suis vachement concentrée sur l'attelage parce que. J'étais dans une écurie où je faisais de l'attelage et du coup je l'ai envoyé avec moi pour le débourrer à l'attelage, mais j'ai déjà sauté avec lui, donc si je retrouve la vidéo, mais ça c'est franchement pas dit, je vous passe la vidéo, je sais pas où elle est, donc est-ce que je vais avoir le courage de la chercher, je ne sais pas, mais oui, enfin j'ai déjà sauté avec Oasis, j'ai déjà dressé, enfin dressouillé, parce que voilà, j'avais pas forcément le temps de faire ça. Mais ouais, on fait plein de choses avec Oasis en fait, il est pas juste pour une discipline précise, mais c'est vrai qu'il est jeune, donc déjà je lui laisse le temps, même s'il a pris en maturité en un an, je lui laisse le temps, et en fait je fais suivant mes envies, donc ouais, oui évidemment il va pas rester qu'à faire de l'attelage ou de la balade, on saute un peu, enfin voilà, on fait un peu suivant les envies. C'est quoi le traitement et les soins que tu donnes à Kouroun pour son arthrose? Là, Kouroun, en ce moment, il a de l'homéopathie. Il a eu tout ce qui est anti-inflammatoire et tout, antidouleur. Mais voilà, ça se fait que par période. Donc pour l'instant, il a de l'ARPA gauche, je pense que la plupart des gens connaissent, avec d'autres traitements à côté naturels. Voilà, on ne peut pas faire bien plus, en fait, contre l'arthrose. C'est quoi tes objectifs avec tes chevaux cette année? Je sais pas. Avec Nono, continuer à sortir autant qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on sort pas mal, on s'entend beaucoup mieux, c'est vrai que je lui ai changé de mort et depuis il a totalement changé. C'est un mort beaucoup plus dur, mais au final ça va très bien, du coup on sort beaucoup plus. Donc continuer à sortir en balade, peut-être l'emmener plus loin au niveau saut et dressage. Et avec Oasis, pareil. Kouroun, c'est juste qu'il aille mieux, en fait, de maintenir sa forme. Parce que c'est vrai qu'il boite, mais il est en forme. Il se fait un peu chier à pas sortir. Mais je peux pas faire grand-chose à part le sortir éventuellement un peu à pied, un peu en longue reine. Mais on fait pas grand-chose. Donc, ouais. Que Kouroun, sa santé aille mieux. Et que Nono et Oasis, on continue notre petit bonhomme de chemin, en fait, tout simplement. Donc ça c'était Instagram. On va aller voir sur YouTube les questions que vous m'avez posées, mais je pense que c'est relativement pareil. Je vais voir ça. Donc ouais, si vous voulez me suivre sur Instagram, ça m'arrangerait, comme ça je ne posterai ces choses là que sur Instagram. Il y a aussi d'ailleurs une autre vidéo, donc je vous invite à aller commenter du coup sur Instagram, que j'aimerais bien faire, j'aimerais continuer les vidéos comme ça
pour animer la chaîne et pour pouvoir discuter avec vous. C'est une vidéo que j'aimerais faire, c'est pour... Non, c'est pas pour ou contre. C'est tu préfères. Donc, vous me demandez tu préfères quoi, entre quoi et machin. Et bah moi je répondrai en vidéo, ça je pense que ça pourrait être sympa. Toujours dans la même ambiance, toujours posée dans ma chambre, tranquillement. Et je pense que ça me plairait plus que des vidéos plus travaillées ou voilà. Je pense que ça me plairait bien. Sachant que je continuerai mes vlogs, etc. Hein, vous inquiétez pas, mais voilà, j'aimerais bien refaire vivre la chaîne parce que c'est vrai que pendant un an, je vous ai un peu laissé à l'écart. Je suis désolée. Alors, sur YouTube, quelle est la race que tu préfères? J'ai pas franchement de race préférée. C'est vrai que je préfère les poneys type oasis et tout, mais j'aime bien le pur sang aussi. J'ai pas vraiment de type préféré. C'est vraiment le cheval en lui-même. Peu importe sa race, il me plaît quoi. Qui est la plus grosse hauteur que tu aies sauté avec Nono? Je crois que c'est 1m10. J'ai dû sauter 1m10 avec Nono il y a un moment. Ouais, je crois que c'est 1m10, je sais pas. Mais comme je l'ai dit, j'aimerais bien aller plus loin avec Nono en saut et en dressage. Donc peut-être ouais, sauter au moins cette année 1m, 1m10 avec Nono. A voir si lui est d'accord. Et que je l'emmène pas sur 1m10 juste en sortie d'hiver sans entraînement quoi, donc ouais voilà. Angélique et toi, vous avez quel galop? Angélique n'a pas de galop parce qu'elle a appris à monter il y a quelques années sans aller en club. Moi j'ai mon galop 6 monté et mon galop 6 d'attelage, voilà. Tu parlais de sortir Oasis en concours, ce serait concours de quelle discipline? C'était en attelage, mais pour l'instant c'est totalement mis de côté au niveau concours. Vas-tu sauter avec Oasis? Mais oui, j'aimerais bien qu'on évolue un peu plus, mais on a le temps, hein, il aura 6 ans cette année, voilà, on a le temps. Connais-tu les slash? En as-tu? Alors oui, je connais, moi aussi j'étais une grande... collectionneuse de slash et joueuse de slash, mais voilà, je les ai plus, j'ai donné à Inès, enfin j'ai donné la plupart de mes slash, je crois que c'est à Inès d'ailleurs, tu me le rappelles si c'est pas à toi, mais il me semble que je t'en avais donné, j'en ai encore, mais c'est vrai que enfin j'y joue pas et puis je les mets pas en exposition parce que voilà, ça fait pas partie de ma déco, mais oui j'en ai et j'ai joué et voilà. Pourras-tu nous faire des journées dans ta peau? Oui. Oui, oui, fait juste que je me décoince le matin, mais je vous en ferai, parce que le matin quand tu te réveilles, t'as pas forcément envie de filmer, mais éventuellement, ouais, j'en ferai, vous inquiétez pas. Penses-tu faire des concours prochainement? Non, pas prochainement. Est-ce que Oasis est castré? Oui, Oasis, je l'ai castré avant de... Enfin, je l'ai fait castrer avec son élevage avant de l'acheter, en fait, c'était compris dans le prix de vente, qui serait castré avant d'arriver à la maison. As-tu le projet de faire des installations, genre carrière en sable ou autre chose de ce genre? J'aimerais bien en avoir, mais les terrains, je les loue, c'est pas du tout à moi. Et si un jour j'ai mon chez moi et que j'ai la place pour le faire et l'argent, je le ferai peut-être. À voir, c'est vrai que du coup ça fait quasiment 5-6 ans que j'ai pas d'installation et au final c'est chiant, mais en fait on s'y fait. Et tant qu'on n'a pas vraiment d'objectif de sortir en concours, bah, c'est pas grave de pas en avoir, même si c'est vrai que c'est super plaisant d'avoir une belle carrière à la maison. À la limite, je peux emmener mes chevaux. Enfin, j'ai l'équipole de l'Andivisio pour ceux qui connaissent à côté de chez moi, enfin à côté de chez moi à 30 minutes, donc voilà, ça va. J'ai le domaine équin d'Agora, là, c'est l'écurie d'une amie qui a fait l'endurance avec moi, qui vient d'ouvrir, c'est pareil, on peut louer les installations. Donc quand j'ai le temps et quand j'ai la motivation, j'y vais, mais bon. Voilà, en fait. Le projet, non. C'est vrai que ça serait cool d'en avoir un jour à la maison, mais j'ai pas pour projet de le faire, de toute façon, parce que les terrains ne sont pas à moi, de toute façon. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans, là, le 28 janvier. Je sais pas si cette vidéo sera sortie. Les chevaux qui figuraient au début de ta chaîne étaient tes chevaux? Si oui, pourquoi on les voit plus? Je sais pas trop de quels chevaux tu parles. Je pense que tu parles de... Il y avait qui? Bah, il y avait Éclair. Il y a eu Lani, qui était un premier poney angélique. Il y a eu Eden aussi. Ah oui, il y a eu CG et Harmony aussi, qui étaient les chevaux de la famille angélique, mais qui ont été vendus. Ouais, donc non, tout ce n'était pas à moi. Mais pourquoi on les voit plus? Bah, ils sont vendus.
ou décédée, donc voilà. Super joyeuse, j'adore. Pourquoi as-tu eu envie de découvrir Oasis à l'attelage? Ben, tout simplement parce que j'ai découvert l'attelage avec ma formation et j'ai vraiment adoré et j'aime toujours beaucoup. Et voilà, mon maître de stage m'avait proposé de débourrer Oasis à l'attelage comme j'allais faire tous mes stages là-bas. Et ça lui convient très bien, moi ça me convient très bien, j'adore ça, je compte continuer l'attelage avec Oasis. Donc voilà, parce que j'avais l'opportunité de le faire, que je découvrais une nouvelle discipline et que Oasis était en plein dans l'apprentissage de toute façon, donc ça tombait bien. La chose que tu veux faire en 2019, poney dans la vie commune. Bah comme je l'ai dit, ouais, poney, c'est continuer à m'éclater avec mes chevaux et dans la vie commune, je ne sais pas, on verra. Je suis pas inspirée là pour ça. Comment s'est passée ta remise en confiance et ton évolution avec Nono depuis la période où tu avais un peu perdu espoir et confiance en lui? Il faut savoir que ma formation, déjà, comme on montait vraiment beaucoup et qu'on apprenait beaucoup, 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 beaucoup de choses sur les chevaux et sur le monde du cheval et tout ça, ça m'a vachement remis en confiance parce que j'ai pu monter beaucoup, beaucoup d'autres chevaux qui n'avaient pas forcément... qui avait éventuellement plus de caractère que Nono et tout, donc c'est vrai que ça m'a donné beaucoup confiance en moi. Du coup, comme j'avais plus confiance en moi, j'avais plus confiance en mon cheval et je savais plus comment réagir et quoi faire pour que ça aille mieux. Donc voilà, en fait c'est allé relativement vite, en fait c'était cette année, depuis le début de ma formation, quelques mois après en fait j'ai repris confiance. Et finalement, ça se passe très bien. Donc voilà, ma formation m'a apporté ça aussi, la confiance en moi à cheval, même si évidemment, enfin, j'ai encore des peurs, mais voilà, ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça qu'avec Nono, ça va carrément mieux. Oh là, oh là là, es-tu en couple? Oui. Alors officiellement, on a mis la date de notre couple le 5 janvier, parce qu'on se fréquentait avant, mais voilà, c'était pas officiel, et puis il fallait prendre son temps. Donc oui, je suis en couple. Que devient la chaîne Club Epic? Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, je fais partie d'une chaîne collaborative avec plusieurs filles de YouTube qui est le Club Epic. Alors c'est vrai que j'ai mis ça de côté, mais complètement, je suis vraiment désolée les filles, mais j'ai tellement pas eu le temps, j'ai tellement été débordée. Donc voilà, il faut que j'essaye de me remettre à fond là-dedans. En plus, elle compte vachement sur moi. Mais ouais, j'ai mis ça de côté parce que pas le temps et pas la motivation, mais voilà, je suis désolée. Donc que devient la chaîne? Voilà, on continue le petit train-train. Après, on n'a pas pour objectif d'être ultra connu, de faire des trucs de ouf. Enfin, on veut juste partager nos visions de l'équitation et point, c'est tout. Et on le fait quand on a le temps et quand on peut en fait. Donc voilà. As-tu des nouvelles du premier cheval noir qu'Angèle avait eu? Oui, Lani. Lani Dan, en fait, on l'avait vendu à une dame qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de randonnées. Et là, actuellement, il a été revendu et il est dans un centre équestre. Et en fait, c'est le poney de la monitrice. Donc voilà, apparemment, il gaze bien. Donc voilà, il convient très bien, il s'éclate. Donc c'est top. Pourquoi tu ne fais pas des concours? Parce que... On n'est pas obligé de faire des concours, les gars. J'ai fait des concours en tant que groom d'attelage, mais voilà, pas plus. J'ai pas forcément l'envie ni l'ambition d'en faire un jour peut-être, mais pour l'instant c'est pas dans mes projets. Tu as acheté un nouvel animal ou pas? Non, c'est pas prévu. Pourrais-tu faire une routine ou une journée dans ta peau? Ouais, je ferai. Pas de soucis les gars. Penses-tu faire 10 faits sur tes chevaux? Ouais, ce serait éventuellement Enfin, j'avais les projets de faire ces vidéos-là, mais juste avant de rentrer en formation, du coup au final je l'ai pas fait. Mais ouais, ça pourrait être cool. Je pense que je vais commencer à les écrire incessamment sous peu et ouais, ça pourrait être cool de tourner ça. Si ça vous fait plaisir. Que vas-tu faire avec Couronne? Pour l'instant, rien. Pour l'instant, Couronne, on le maintient juste en bonne santé et rien de prévu. Quelle est ta marque préférée de bombes? Alors là, moi, vous savez, j'ai eu que des bombes Decathlon et Fuganza. Donc à la limite... Tout ce qui est Sam Shield, GPA et tout, j'aime bien, hein, mais je mettrais pas autant d'argent dans une bombe. Là, actuellement, j'ai un casque, le casque de chez Decathlon, là, le noir avec les ouvertures et tout. Et je crois qu'il y a le même aussi en bleu marine et qui coûte 40€, qui se règle et qui est top. Si franchement je le casse celui-là, je rachète le même. Donc pour l'instant, moi, c'est Decathlon et ça me va très bien. Vas-tu reprendre Instagram? Oui, justement. Je reprends Instagram et je vous invite tous à aller me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que sur Facebook je suis
pas franchement active en fait sur la page, parce que voilà, je préfère Instagram à ce niveau là. Je suis active sur mon compte perso, mais pas sur la page de la chaîne. Elle existe, mais j'ai pas trop envie de poster dessus, à moins que, à la limite, je partage mes posts Instagram sur la page Facebook. Ça pourrait être cool. De toute façon, la page Facebook est aussi en barre d'infos, donc vous avez qu'à aller la suivre. Et on verra bien si je la reprends en main ou pas. Est-ce que des pony vlogs sont des projets de prochaines vidéos? Oui, j'aime bien en faire, donc oui, évidemment que c'est en projet. Pourquoi plus de nouvelles de toi? J'ai déjà répondu. Tu fais toujours ta formation? Non, j'ai terminé il y a un petit mois. As-tu ton chez-toi? J'ai une maison actuellement qui appartenait à ma mère et du coup bah, j'habite dedans parce que bah, en fait elle est à moi. Donc oui, j'ai mon chez-moi. C'est vrai qu'on a pour le projet, enfin pour le projet on verra, mais avec mon homme de s'installer ensemble. Mais tant que je peux garder la maison de ma mère, même si j'habite pas dedans, je la garde en fait tout simplement. Donc oui, j'ai mon chez moi avec mes chevaux juste à côté, enfin, pas très loin. Peux-tu nous faire un room tour sur ta sellerie? Alors, comme j'ai déménagé, j'ai plus une aussi belle sellerie qu'avant. Et j'ai fait énormément de tri dans mes affaires d'équitation, ce qui fait que la plupart de mes affaires sont dans le coffre de ma voiture, dans un bac, dans un placard. Mes selles et mes tapis et mes couvertures sont dans mon garage, mais tout est étalé partout. En fait, j'ai plus de sellerie à moi et je compte pas en refaire une. Donc un room tour non. Par contre, j'ai tourné une vidéo mes affaires d'équitation qui devrait pas tarder à sortir. Je sais pas si elle sortira avant ou après celle-ci, mais voilà. Non, pas de room tour de céleri pour l'instant, c'est pas prévu parce que je n'ai peu de céleri à titrer, donc comme ça, c'est clair. Pourrais-tu nous refaire un tour de ton champ et de tes... Manon, il est quasiment minuit, t'es fatiguée, pourrais-tu tourner une vidéo, sans déconner. Pourrais-tu nous faire un tour de ton champ, de tes installations, de tes prés? Oui, je pourrais vous présenter mes terrains. Mais c'est-à-dire que j'ai pas forcément... Enfin, moi j'aime bien bouger souvent les carrières, tout ça. Là actuellement ils sont dans un terrain où il y a même pas de... Il y a juste un abri. Il n'y a pas de paddock, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de ronde longe. Donc parce que j'ai enlevé, parce que j'ai fait broyer le terrain et j'ai pas eu le courage de remettre. En fait, au final je monte soit dans le champ comme ça, là où elle est gaine, soit dehors. Donc oui éventuellement, mais pour l'instant c'est pas en projet... Tout de suite, je pense que je vais attendre les beaux jours qu'il n'y ait plus de boue et qu'il y ait de la belle herbe partout. Je pense que ça sera mieux. Tu fais l'équitation depuis combien de temps? Je fais l'équitation depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Je crois que j'étais sur la fin de mes 5 ans, donc voilà, j'ai 22 ans, vous faites le calcul. Quel âge ont tes poneys? Alors Oasis, il a 5 ans et il aura 6 ans cette année. Nono, il a 14, il aura 15. Kouroun, il a 20 et il aura 21. Et Paddy, je crois qu'il a 14 et il aura 15. Voilà. Combien as-tu de prêts pour les poneys? Alors j'ai... Gros bug. 2, 3... Attends. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 prêts pour mes chevaux. En tout, ça fait 5 hectares. Il y en a un qui fait 6000, enfin à peu près 5 hectares, il y en a un qui fait 6000 mètres carrés, l'autre 8000, l'autre 2, et deux de 1 hectare. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Mais voilà, il y a suffisamment pour 4 poneys, 4 chevaux. Pas de questions, mais ça me fait plaisir de te revoir sur YouTube. Bah merci, ça me fait plaisir de reprendre les vidéos aussi. Pourrais-tu faire une présentation de tes chevaux s'il te plaît? Ouais, ce serait une vidéo à faire aussi, pourquoi pas, il n'y aurait pas de problème. Comment as-tu débourré Oasis? Comment? Bon, j'ai commencé à pied, hein, évidemment, vous me connaissez. Et puis après, en fait, ça s'est fait vraiment tout seul. J'ai commencé à monter dessus, il a rien dit, après on est parti en balade, je suis montée dessus. Enfin, c'est vraiment fait étape par étape, à partir du moment où elle acceptait une étape... Je confirmais plusieurs fois, puis je passais à une autre étape en fait. Donc ça a été très vite parce que Oasis a dit oui la plupart du temps en fait. Donc je pense qu'on a pris notre temps, mais en même temps ça a pu aller très vite pour un certain nombre de personnes. Mais ça serait très, très très bien passé et je l'ai fait en fait suivant lui, ce qu'il disait, ce qu'il demandait, ce qu'il proposait. Si tu devais choisir une charrette,
Une charrette d'attelage pour Oasis, ce serait laquelle? Ce serait une voiture type marathon à 4 roues avec des suspensions, des freins et tout. Enfin, un truc de concours. Pas un truc forcément de balade, mais ouais. En fait, les voitures d'attelage que j'ai utilisées quand j'étais en stage, elles me plaisent bien. Donc ouais, ce serait ce style-là. Ton plus beau souvenir de 2018? Oh là là! Plus beau souvenir, c'est chaud. Ben ouais, tout ce qui a été le débourrage d'Oasis, tout ce qui a été l'attelage, d'avoir fini ma formation. Ça, putain, c'était hard du coup quand j'ai eu le brevet. Je me suis dit, putain, c'est bon, je l'ai fait. Et de reprendre confiance avec Nono. Ouais, je pense que c'était les plus beaux souvenirs de 2018. Bon bah voilà. Alors j'ai pas laissé longtemps la FAQ pour pas avoir trop de questions à répondre, mais bon, il y en a déjà pas mal. De toute façon j'en referai d'autres. Dans la même ambiance, pareil, au calme. du coup, il ouais, n'y avait pas trop de comment dire, de questions. Mais c'est suffisant hein, pour une première FAQ de 2019, je pense. J'en ferai d'autres à thème, donc si vous avez des idées de vidéos à me proposer, vous les postez en commentaire. Si vous avez des idées de thèmes de vidéos face caméra comme ça, vous les mettez en commentaire. Et puis voilà, je ferai mon tri et puis je ferai de mon mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Salut !